tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait archi longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va parler aujourd'hui amour, mariage. Comme vous avez pu le constater sur mes réseaux sociaux, je me suis mariée très récemment religieusement et j'ai reçu énormément de questions par rapport à ça. Pourquoi je l'ai caché? Comment je me suis mariée? Est-ce que je vais me marier civilement? La demande, comment elle s'est passée? Du coup, je vais répondre à toutes ces questions lors de cette vidéo, mais aussi vous dévoiler des images un peu exclusives du mariage, les coulisses, parce qu'on a tout filmé. Et à la fin, une petite vidéo récap de 3-4 minutes en émotion avec de la musique et tout, je pense que vous allez kiffer. Juste avant, petite parenthèse, cette vidéo est sponsorisée par la marque HelloFresh. C'est une marque que j'adore, je vous en parle très très souvent sur Instagram. Je vous ai fait un petit topo, regardez de suite. Alors HelloFresh, c'est quoi les amis? C'est juste une hyper bonne alternative aux courses ou à la planification des repas. Vous recevez comme ça une box directement à la maison avec à l'intérieur les ingrédients frais et surtout les étapes des recettes bien détaillées. Vous pouvez choisir les recettes en amont sur l'application HelloFresh ou sur leur site. Vous avez tout type de recettes les amis, recettes rapides, recettes végétariennes, recettes familiales, il y en a vraiment pour tout le monde. Je vous rassure, n'étant pas une très très bonne cuisinière, les recettes HelloFresh sont vraiment très simples. Vous avez tous les détails, vous avez toutes les quantités précises pour chaque recette. Comme ça, pas de gaspillage et surtout, pas besoin d'aller passer des heures au magasin. Vous recevez tout à la maison, les produits sont frais, de qualité. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 recettes toutes les semaines, modifier les portions, programmer la livraison à votre convenance et bien évidemment mettre en pause ou annuler votre abonnement quand vous le voulez. Ça donne l'eau à la bouche et franchement c'est simple, rapide et délicieux. Je vous ai mis un petit lien en description. Il suffit de cliquer dessus si vous souhaitez tester HelloFresh les amis. Et avec mon code promo OliviaHello, vous pouvez bénéficier jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box HelloFresh. HelloFresh, une pépite, vraiment j'adore cette marque. Vous pouvez personnaliser toutes vos box, choisir vos recettes en amont, prendre des box pour 2, 3, 4 personnes, familiales, végétariennes, classiques, rapido. Donc voilà, je vous ai mis un lien en description juste en dessous, il suffit de cliquer dessus avec le code promo OliviaHello, vous pouvez bénéficier de jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box, donc profitez-en. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet, le mariage. Alors, je crois sincèrement que cette question, c'est celle qui est revenue le plus souvent. Comment s'est passée ta demande? Alors, sachez que je n'ai pas eu de demande officielle. C'était vraiment sous forme de discussion. Et c'est vrai que pour mon copain qui est musulman, le mariage religieux, c'est très très important. Et là, on allait bientôt arriver au Ramadan et on s'est dit que ce serait cool de enfin le faire parce qu'on en parlait assez souvent, mais on se lançait vraiment jamais. Du coup, en discutant, on s'est dit, bon, viens, on essaye d'organiser ça. On a appelé la famille. Franchement, on a organisé ça, très honnêtement, en une semaine, en quelques jours. On a trouvé l'imam, on a trouvé des prestataires, on a trouvé le lieu, on a trouvé nos tenues, ça a été hyper rapide, mais il n'y a pas eu de demande officielle où il m'a dit est-ce que tu vas être ma femme. C'était vraiment, voilà, on discutait et on s'est dit bon allez, cette fois-ci on le fait, on a calé une date, tout organisé et puis go quoi. L'organisation, et bah c'est ce que je vous disais, ça a été vraiment très rapide en une semaine. C'est surtout ma belle-sœur Anjouza, dédicace à toi d'ailleurs, merci beaucoup, qui a tout organisé. Le lieu, du coup on a été sur Paris, donc du coup chez ma belle-sœur qui nous a accueillis chez elle. Elle a trouvé des prestataires, elle m'a dit tu voudrais quoi. Elle a trouvé ma robe, la tenue de Kayden, la tenue de mon chéri. Franchement, elle a tout géré. Elle avait l'impression que c'était elle qui se mariait. Elle a dit je suis excitée, elle est trop contente pour nous. Et franchement, merci beaucoup à elle parce qu'à distance c'est vrai que c'était compliqué. Elle a trouvé l'imam, du coup franchement elle a tout géré. Donc l'organisation c'était ultra rapide. Et c'est vrai que quand on voit les photos et le rendu, on se rend pas forcément compte que ça a été fait vite fait comme ça. Mais bon, en tout cas, on a géré le truc et le principal, c'est qu'on est passé une bonne journée et que tout a été fait dans l'ordre. Et c'était vraiment cool. Mais l'organisation, c'était vif. Hein. C'était vraiment ultra rapide. Alors, les invités, c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout toute la famille Gaïa par exemple. De la famille Gaïa, il y avait juste mes parents. Après, j'avais mes deux meilleures amies, Coralan et Dorian. Et après, bah, tous mes frères et sœurs étaient à Bourges parce qu'ils travaillaient, parce qu'on n'avait pas la capacité de mettre plus de personnes à l'intérieur de chez ma belle-sœur. Il n'y avait pas les parents de mon chéri par exemple. Il y avait quelques-uns de ses frères et sœurs, donc il n'y avait vraiment pas tout le monde. Mais ce qu'on voulait, c'était déjà au moins qu'on ait quelques témoins pour notre mariage religieux. C'était le plus important. Bien évidemment, du coup, j'anticipe la prochaine question. On compte se marier civilement à la mairie. Et là, cette fois-ci, bien évidemment, on s'organise. Pas une semaine avant mais un an avant je pense minimum, et on fera en sorte que toutes nos familles soient réunies. Moi personnellement c'est mon rêve, vous savez, avant j'étais pas trop mariage avant d'avoir un enfant. Vous savez, il y a plein de filles qui rêvent de beaux mariages de princesse. Moi perso c'était pas trop mon délire, mais depuis que j'ai mon fils Kayden, je vous raconte par exemple une anecdote. Le premier rendez-vous pédiatre à Kayden, à l'hôpital, à l'accueil, la dame me dit est-ce que je peux avoir le nom de votre fils. Je dis oui bien sûr, c'est Kayden Gaïa. Donc elle cherche et bah je trouve pas. Je dis bah si c'est Kayden.
Eden Gaïa, tu vois, c'est bizarre. Il est né le 23 décembre et tout, il n'y a pas très très longtemps. Et là, je tourne la tête, je regarde mon chéri, il me dit, mais non, chérie, c'est pas Gaïa, son nom, c'est Rachadi. Et là, j'ai dit, mais oui, c'est vrai, il a pas mon nom. Et en fait, depuis ce jour-là, je me suis dit, comment ça, j'ai pas le nom de mon fils? Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai eu mon fils que j'ai eu encore plus envie de me marier civilement. Et à ce moment-là, bien évidemment, j'espère de tout mon cœur qu'il y aura nos deux familles réunies, la famille de la Réunion, toute la famille Gaïa, mes meilleurs amis, les amis de mon chéri, etc. Il n'y a pas de raison, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'organisera avant. La cérémonie, elle s'est très bien passée. Je vais vous mettre juste après des vidéos, des coulisses un petit peu de la préparation, de la cérémonie et surtout de l'événement. Et franchement, c'était cool. Moi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Il y a l'imam qui est venu avec un témoin et tout simplement, il a commencé à expliquer, reparler un petit peu de la religion, d'expliquer, voilà, mon chéri, j'arrive pas à dire à mon mari encore, hein, à mon chéri, mari, la religion, que c'est important de prendre soin de la femme, qu'il fallait être dans le bon chemin, qu'il fallait montrer l'exemple en tant que père de famille. Enfin, plein de petits rappels comme ça, c'était vraiment beau à écouter. Et ensuite, j'ai rejoint mon chéri. Voilà, ils ont fait la prière et ils nous ont déclaré mari et femme. Et franchement, c'était un beau moment, c'était émouvant. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie, très simple. Mais vraiment, moi, il m'en faut peu. À partir du moment où j'ai des gens que j'aime près de moi, ça peut être les plus beaux jours de ma vie. Il m'en faut très très peu. C'est une cérémonie simple. Peu de monde, mais c'est très très bien passé. Donc, je suis très ravie de mon mariage. Je pense que vous avez l'eau à la bouche. Je vous mets de suite des vidéos du mariage, des préparatifs, de l'événement, des émotions, des pleurs, de tout. Et à la fin, restez jusqu'à la fin, une petite surprise, une petite vidéo récap de 2-3 minutes. Voilà, je vous laisse avec les vidéos du mariage et je vous embrasse, je vous fais plein 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 de bisous. Je suis sur Olivier. Donc... Je stresse, je sais pas quoi dire, quoi donc, faire. Donc dis-nous un petit peu. Je suis le papa le plus heureux du monde. Aujourd'hui, un grand événement, ma fille va passer le pas, va se marier avec mon petit beau-fils So, que j'aime énormément, je les embrasse tout très fort. Et c'est moi qui est plus stressé que j'en suis sûr. J'imagine. Je suis en stress, regardez la chair de poule. C'est pas des bêtises, hein. Ah ouais, je vois ça. Bonjour. Bonjour, donc en ce jour joyeux, j'aimerais avoir un petit peu votre impression. Alors mon impression, c'est que je suis vraiment heureuse. Mmh. Alors ma première fille qui se marie. Ah. Et sincèrement, moi, je vais découvrir le mariage religieux. Franchement, c'est une découverte. C'est une découverte. Ouais, c'est une découverte pour moi et puis voir comment. Je pense que je vais pleurer. Je vais voir comment je vais être, quoi. Ma fille est merveilleuse. Ok, ça va. Ok, merci, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu Bonjour. Vois, je regarde pas tout le temps. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Et toi, Momo, ça va? Ouais, ça va, depuis la dernière fois, ça va. Faut pas trop me filmer parce que je vais pleurer, j'ai déjà pleuré hier, alors on va garder les non, larmes. On va garder les larmes pour tout à l'heure. Comme ça, t'auras de quoi filmer. Ça marche, je reviendrai tout à l'heure. Ah bah, t'auras de quoi filmer, crois-moi. Pour avoir ton impression, parce qu'il faut ton impression. Tu l'auras. Ça marche. En direct, à tout à l'heure. Ça fait bizarre quand même. Merci, ma petite larme en cachet. J'imagine. Et pour pas te rouge. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique, faut le dire. Faut le dire. Franchement, de sa vie et de ma vie aussi. Qu'est-ce que tu fais, les bêtises? Franchement, je suis le plus heureux. Allez, c'est pour la Mais, fond du cœur, je suis le plus heureux. C'est derrière la Moi, je suis. Alors, un, deux, je suis au deuxième ici. Salam alaikum. Merci. Wow. Merci. Wow. C'est que des bébés. Salam alaikum. Salam alaikum, mon père. Félicitations. Ah, tu es trop beau. Salam bien, les Toubaïa. Ça va, les Toubaïa? Ça va, les Toubaïa? Assifou, wa salam ala al-mursalin wa alhamdu. Ah, bisous, c'est ta femme maintenant. Adonne à papa la main. Merci. Ça y est, elle est à moi. Elle est partie. Merci. Elle est partie. Bon, j'arrive. Oui, ça va, t'inquiète. C'est beaucoup d'émotions. C'est croyante en vrai. C'est des gens que t'aimes. Ça touche. C'est ça. Je suis trop contente. Vraiment.
ça rappelle, hein, ça rappelle ton mariage, mon mariage. Surtout qu'elle le mérite. Ouais, non mais c'est ça, quand c'est des gens que t'aimes et que t'es croyante, bah du coup tu sais qu'ils prennent le bon chemin et bah c'est trop bien. Ouais. Trop bien. Ouais, tu me Alors, ah ouais, super. Un petit mot, un petit mot les mariés. Bah, ça y est, hein. Ça y est, c'est fait. Il a plus de choix de me supporter du tout. Toi. Waouh. Magnifique. Félicitations mariés. On a tout à la dernière minute. Pour le prochain mariage, je ferai appel à toi aussi. Mais on dirait pas que c'est la dernière minute. Plus ou moins plus tôt, si vous voulez. Parce que là, ils m'ont dit il y a quelques jours. Hein. Félicitations, je me retrouve témoin. C'était pas prévu. C'était pas prévu, témoin. Félicitations à mon frère, félicitations à Olivia. On est tous contents, on est tous heureux, franchement. Toute la famille est là, le père, la mère, c'est très important. C'est pas tout le temps qu'on peut avoir toute la famille. Réunir toute la famille, ouais. Voilà, réunir toute la famille pour un mariage. Voilà. Comme pour le pire, il était temps, il était temps. Mes parents et leur sourire, ils ont marié leur enfant. Plus de panique, j'ai trouvé celui qui prendra soin de moi. Papa, repose-toi. Il m'a dit oui, et j'ai dit oui devant le Très-Haut. Il est pour moi le parapluie quand il ne fait pas beau. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, je te donnerai. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, je te donnerai. Et quand je pense à nous deux, sème-moi ton encore quand on sera. Mon amour, je te le donne à vie, je te le donnerai. Aujourd'hui, je suis une femme et je suis fière d'être la tienne. Laissons-les trouver des failles, ça ne me pose aucun problème. T'es tombé du ciel aujourd'hui, dis-moi ce que je ferais sans toi. Mon bébé, je le sais aussi, tu serais perdu sans moi. Je vivrai tout avec toi, dans la misère ou dans le succès. Je t'aime, tu le sais, tu le sais. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, je te donnerai. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, je te le donnerai. Et quand je pense à nous deux, sème-moi ton encore quand on sera. Moi mon amour, je te le donne à vie, je te le donnerai. Toi mon homme, toi mon sauveur, toi ma force, mon antidouleur. À tes côtés plus rien ne me fait peur, et tu l'as pris. Plus rien ne me fait peur. Tu l'as pris, t'as pipi. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, je te le donnerai. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, je te le donnerai. Et quand je pense à nous deux, sème-moi ton encore quand on sera. Moi mon amour, je te le donne à vie, je te le donnerai. T'as piqué mon cœur. Tu l'as pris, t'as piqué mon cœur. Tu l'as pris, t'as piqué mon cœur.
souris, t'as piqué